avoir une bombe, donc comme ça. Non, je ne sais pas. De toute façon, le monde doit être courageux. Ouais. Regardez les assassins, ce qu'ils ont fait en Israël, oui, le 7 octobre. Ça fait 1400 ans qu'ils font dans le pays musulman. Ça fait au moins, ça fait un an qu'on le voit les visages à la télé, les filles assassinées, les garçons assassinés en Iran. Oui. Les filles qui n'ont pas sorti une arme pour tuer quelqu'un. Les filles qui n'ont pas fait de lutte militaire contre le régime. Les filles qui ont enlevé leur voile. Oui. Pour quelques mèches de chevaux, on le tue, on le viole par 50 personnes en Iran. Ces gens-là, nous, on le connaissait depuis 1400 ans. Mais maintenant... Et Israël aussi était victime depuis toujours, parce que même depuis toujours, Israël et les Juifs étaient victimes de l'intégrisme. C'est l'antisémitisme qui existe, c'est le racisme qui existe, c'est un racisme antisémitiste gratuit. Gratuit. Ils sont contre. Pourquoi? Puisque tu es intelligent? Puisque tu travailles beaucoup? Non. Voilà. Ils sont contre. Et ce qu'ils ont fait là-bas le 7 octobre, en plus, Frédéric, je veux te dire quelque chose. Tu sais, tous les films de surveillance, oui, que l'armée israélienne a, ils ne l'ont pas diffusé. Si des films seraient diffusés en totalité, ou une partie peut-être, vous allez voir que quand Hamas il attaque, avec quelle violence, avec quelle sauvagerie, il tue les gens, il tue les femmes, il tue les enfants. C'est que le dans le film. Et en plus, il y a un problème, c'est que on a dernièrement, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, là, il y avait dernièrement, j'ai vu hier soir, là, je sais pas où c'est, un pauvre jardinier et tout, ça, cette ambiance-là, c'est que ça se, disons, ça se répertorie, ça déteint au niveau mondial. Alors, il y a des gens, évidemment, qui vont faire la différence entre ce qui se passe en Israël, entre ce qui se passe entre des Palestiniens qui ne feront pas, qui n'agresseront pas des Israéliens, d'autres qui agresseront, il y en a qui la feront, mais il y en a qui la feront pas, malheureusement. Et malheureusement, on est dans ce cas-là. Comme aurait dit Clint et tout, on est dans la deuxième situation. Et c'est ça, qui est. Parce que il y a je sais pas, moi, il y a des actions qui sont faites. Culturelles, par exemple. On voit Barenboim, qui est un très grand chef d'orchestre pianiste, qui a un orchestre qui est monté que de, justement, moitié juif, moitié palestinien, et qui marche très bien, d'ailleurs. Ça, c'est une action que, que fait Barenboim, mais il y en a d'autres aussi. Même le problème là, même en Israël même, il y a aussi des endroits où il y a des Palestiniens qui travaillent en harmonie avec des Israéliens. Ici, Frédéric. Par contre, le problème d'Israël, c'est que c'est que le niveau de la constitution israélienne, c'est pas comme la constitution française. Parce que ça n'a rien à voir, disons, nous on a une constitution, c'est écrit, ça fait depuis 40-50 ans, en 58 on a dit, il y aurait ça, la République elle est comme ça, enfin, alors qu'en Israël, ça évolue, c'est toujours, disons, cette constitution, elle est un peu, elle bouge selon au niveau de l'actualité. Là, dernièrement, ils avaient fait une constitution où ça va être, disons, une constitution où il n'y aura que la population qui va compter. Bon, évidemment, c'est la population juive et les autres, à part peut-être les druzes, parce qu'il y a pas mal de druzes en Israël. C'est depuis quand, ça? La constitution, ça fait au moins 2 ans. Alors, mais depuis 75 ans que les Palestiniens, ils ont ça et qu'ils n'ont pas accepté les Juifs là-bas, l'Israël là-bas. Si, alors, les Palestiniens, ils ont commencé depuis 75 ans de contester la décision des Nations Unies. Il y a ça, et alors, puis il y a aussi... Pendant toutes ces années-là, c'est des actes terroristes, violents. Aussi, avec le Hamas, oui, ça, d'accord. Non, même avec Fatah aussi, il ne faut pas oublier tout ce qu'ils ont fait à l'époque, les Palestiniens. Est-ce que vous savez, Fatah, c'était quoi? C'est quoi Fatah? C'est un mouvement à la base. C'est une alliance des mouvements.
pour environ 70 mouvements palestiniens étaient dans le OLP. OLP, c'est une organisation qui rassemblait. Oui, il y avait plusieurs dizaines de mouvements palestiniens. Le patron était Naif Khwat, mais George Habash, Arafat et tout ça. Alors, c'est-à-dire, cette diversité que vous avez dit que c'était créé par Hamas, avant, ça existait et existe toujours dans l'organisation. C'est-à-dire, chaque individu, il se prétend d'être un mouvement. Il y a aussi, George Ibrahim Abdallah. George Ibrahim Abdallah. Et d'ailleurs, qui aurait dû être, qui d'ailleurs a fait sa peine et qui devrait être sorti de prison. Ça fait un moment déjà. Il n'a pas sorti encore. Il n'est pas encore sorti. D'ailleurs, il est pas loin de chez moi, à Lannemezan, dans les Landes. Ah. Il y a eu des manifestations à Lannemezan pour qu'il puisse sortir, parce que bon, il a fait le vin. En plus, il a été mis en prison. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Alors, c'est pas trop clair non plus, parce qu'on sait pas trop ce qu'il a... Parce que je crois que c'était par rapport... C'était pas le drugstore, un truc comme ça, qu'il avait... Non, ou alors c'est autre chose, enfin bref. Et à l'époque, parce que je sais qu'il y avait à l'époque pas mal de... Il y a eu des... Bon, c'était en plus, il y avait... En plus, il est tombé à une mauvaise époque parce qu'il y avait, eu des bombes à Paris, notamment à Saint-Michel. Et c'était l'Iran qui avait foutu des bombes là-bas. D'ailleurs, qui disait « Ouais, au départ, c'était les pays de l'Est et tout. » Non. Et après, c'est bien la République islamique d'Iran. À Saint-Michel ou à Tati? Non, je crois que c'est Saint-Michel. Et il y avait aussi, ils avaient capturé, je sais, un des assassins de Chapour Bakhtiar, mais bon, il y en a l'autre, par contre, ils n'avaient pas réussi à l'avoir. Ah, les Sakoche, par exemple. Oui. Le terroriste. Mais ça, c'est le chat. Il est maintenant en Iran, il a l'empire économique, là-bas. Vous voyez, il a tué deux Français. C'était Mitterrand, à l'époque, qui l'avait gracié. Quand il est passé au pouvoir, c'est... Ils ont fait un accord, comme échange des étages actuellement. Et c'était de l'ordre. De toute façon... Il y a eu Action Directe dans la même... Action Directe. Parce qu'Action Directe, bon, c'était... c'est pas la même... Déjà, c'est pas la même histoire. Bon, ils ont quand même tué Georges Besse, qui était quand même le patron de la régie Renault, et qui avait été, à un moment donné, le patron du nucléaire en France. Par avec l'Iran. Ils ont dit que vous savez qu'il y avait plusieurs milliards de dollars que Shah d'Iran il avait investi dans le nucléaire. Et George Bess, il était en conflit avec la République islamique d'Iran concernant ce remboursement. Ouais. C'était un régime qui était commencé avec terrorisme et les actes terroristes ça continue. C'est une commande. Action Directe, ils ont fait une commande de la République islamique à son moment. Voilà, c'est le commande, bien sûr. Terrorisme, c'est commandé. Écoutez, il ne faut pas avoir peur face au terrorisme. Si on a peur, on est le perdant. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Regardez, nous prenons comme exemple la France. Dès que la France prend face au terrorisme, aux anti-